blesser votre sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours. Dans des comédies bien assaisonnées. Bien, madame, je me réjouis de vous apprendre que, heureusement, on n'a pas perdu votre enfant. Donc, docteur, il est toujours en vie? Il est en vie. Il est plutôt bien portant. Attendez, il ne lui est rien arrivé. Oh, madame, ne vous faites pas de soucis. Votre grossesse est bien portante. Mais, ne prenez plus le risque de prendre des médicaments sans l'avis du médecin. Ils sont dangereux pour votre enfant et pour vous-même. Vous avez compris? J'ai compris. Bon. Vous allez acheter ces médicaments à la pharmacie pour vous. Ils vont vous entretenir bien, surtout bien renforcer votre grossesse. Tenez. Madame, n'oubliez pas d'acheter, c'est bien pour vous, je vous répète encore. C'est bien pour renforcer votre enfant. Allez-y. Merci, docteur. Ouais, c'est mieux. Ça, c'est même que ma chance. Quelqu'un cherche à avorter depuis. En allant lui prescrire les remèdes pour renforcer la grossesse. Fatigué, personne n'a ouvert. J'étais derrière en train de travailler, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Ah, ok. Allons asseoir. Mais avec le soleil ici, là, c'est mieux que tu prennes la chaise là. Ah, d'accord, ok. C'est mieux. Mais dis-moi, c'est comment tu es seule, mais Mintumba n'est pas là. Que Mintumba sait que je suis encore sa femme ici. Je ne sais pas quelle folie a pris Mintumba pour qu'il veuille être polygame. Moi, je ne sais pas. Tu parles de folie sans savoir. Est-ce que tu sais que Mintumba m'a demandé d'aller assister à la vie de sa femme-là? Mais merde! Il a osé te demander cela. Ils m'ont aussi parlé de la dot. Mais j'ai dit que je ne peux pas aller. Parce que je suis contre la polygamie. Tu n'as osé. Moi, je lui ai dit que même si on me tue, on amène mon cadavre à cette dot-là. Mon cadavre va quitter là-bas pour revenir dans cette maison. Je ne peux pas. Même si c'est quoi? Hey, qui? Là, tu es gros, là. Ah, Mintumba, il m'a dépassé. En passant, comme il n'est pas là, je pense que je ne vais pas te perdre assez de temps. Faut que tu retournes travailler. Ouais, mon frigo est même vide là. Je n'ai pas pu acheter les boissons ces jours-ci.
Mais au cas où je vais t'accompagner, je vais... On va s'arrêter quelque part là, tu prends même une bière. Non, il faut que tu rentres travailler. Moi, je vais partir. Non, et je vais t'accompagner, non, il y a quoi? Le travail pas à temps. Mmh. Ça donne, ça résonne. Attends, attends, laisse qu'on... mets encore pour que le feu puisse... on puisse utiliser. Tu sais que c'est quand c'est bien chauffé, tu vois, non? Plaisant. C'est quand c'est bien chauffé que ça résonne. Ça va.
Madame, voici donc le gommage biomètre que je vous ai présenté l'autre jour. Donc, maintenant, on est en train de faire le soin de visage. Je vais donc, comme notre gommage est granulé, je vais le mélanger avec son émollient. Regardez, madame. Je mets quelques grains de gommage. Je forme une pâte. Maintenant, j'applique. Bon, madame, vous êtes déjà matifiée. Non, plus de tâches. Plus de tâches. Wow! Mais tu me montres à Mikumba. Je vous ai dit tout à l'heure, non, madame. Ça, c'est l'efficacité des plantes naturelles. Non, plus une tâche. Pour ma tâche était étanche. C'est parti. Vrai. Wow, Mikumba ne va pas en revenir. Il va encore voir sa bouche là. Moi, je suis ça comme ça. Hein. Bientôt, les gens viennent. Il faut que j'aille m'apprêter. Papa va venir me trouver en train de suivre les chaises. La mère est où même? Elle est là-bas dehors. Avec les gens. Les gens sont déjà là. Tu parles de quels gens? Les membres de notre famille. Ah! Non, elle est là-bas avec quelques-uns de ses frères, comme ça, là. L'oncle de Oula ou de Oula. Ils sont en train de bavarder. Tu la connais? Je me vais laisser comme ça. Il faut pas que les gens viennent me trouver en train de nettoyer les chaises ici. Et Laura? Tu me marques à place, non? Tu veux parler à dire quoi, donc? Oh, toi aussi. Ah, excuse-moi, mais je suis un peu jalouse de toi, franchement. Ouais, donc. Tonton va venir, non, Tonton? Est-ce que c'est la cause? Ouais, c'est vrai. Tonton va venir. Avec le sang de maquereau que j'ai là, Laura. Tonton là va venir quand? Pardon, viens, viens. Je ne vais pas t'aider à t'apprêter. Ouais, c'est vrai, tantôt va venir, c'est là. Mario, tu fais encore quoi là? Va t'apprêter, on part. Hein? On part où? Mais on va à la dot, non? Tu t'es oublié d'aller. Vas-y, vas-y, il faut qu'on parle. Laisse ça. C'est quoi avec toi, non? C'est quoi? Je dis que je ne parle pas. C'est maintenant que je comprends que toi là, tu ne m'as jamais aimé. Toi, tu es là, tu es incapable de me faire des enfants. Quand je me décide de le faire avec quelqu'un d'autre, tu t'opposes pourquoi? Qui t'a dit que je ne faisais pas d'enfants? Qui t'a dit que je ne faisais pas d'enfants? Tu as compris que depuis qu'on se balade à l'hôpital, là, qu'on a dit que je suis stérile. Elle commence. Les mêmes chansons tous les jours. Depuis que tu chantes, je ne suis pas stérile, je ne suis pas stérile. Où sont alors tes enfants? Mado, viens en bas, l'autre. Ah, viens, viens en bas. C'est quoi? Tu ne parles pas, laisse-moi. Ah. Tu ne te maries pas pour moi, hein. Tu ne te maries pas pour moi. D'accord. J'ai dit ceci. En tout cas, moi je m'en vais. L'autre jour, j'étais indiqué le lieu de la dot. Tu sais bien où ça va se passer. Donc, si tu ne me retrouves pas là-bas tout à l'heure, si tu ne m'y retrouves pas, il faut seulement ramasser tout ce qui t'appartient ici, même ton parfum, tout. Tu parles avec ton odeur, tout. Tu libères ma maison. Je dis que si en retournant, je te trouve encore chez moi, je vais seulement te déchiqueter. Je te le dis. Je suis parti. Je ne pars pas. Je préfère que tu viennes me tuer ici. Mais faites vite, faites vite. Il ne faut pas qu'on arrive en retard là-bas. Chantou. Pardon. Oh.
président, voilà. Voilà. Bon. Donc, j'espère qu'on n'a rien oublié. Non, je ne crois pas. On a tout rangé tout à l'heure. Ça va. Bon. Vous avez tout arrangé. Mais les chefs sont où? Mais les autres sont avancés avec les... Ils sont déjà partis, non? Oui, ils sont partis depuis. Voilà. Donc, Mais et la boisson alors, président? Comment il n'y a pas la boisson? Je ne vois pas. Non, pour la boisson, j'ai préféré acheter la boisson au bar qui est à côté de la maison. Pour ne pas... Non, là... président Mitouma, ça c'est bien réfléchi, ça, mon frère. Ouais, le père, on va. Mitouma, tu as oublié de faire la présentation. C'est qui ici? Ah, c'est mon ami, Big Mo. Okay. L'ambassadeur de l'eau. Ça, c'est bien. C'est mon ami, la mère, c'est mon ami. Okay, d'accord, bon, gars, porte ça. Porte. Hey, gars, je vois qu'il faut encore aller chercher le machin. Allons-y. Les gens là vont déposer ça avant de revenir. On devait une fois prendre le taxi, il vient et on porte tout ça. Mais, je dis à Mitouma. Pas comme ça. Où est Mado? Hein? Où est Mado? Elle va nous retrouver là-bas. Elle va nous retrouver là-bas comment? On va aller en rang dispersé comment? Mais tu veux que je te dise quoi? J'ai dit qu'elle va nous retrouver là-bas. Allons! Tu sais qu'en arrivant là-bas, même elle doit déjà être là. J'espère qu'elle viendra. Toi aussi, tu vas encore dire. J'ai dit qu'elle va nous retrouver là-bas. Papa, puis tout bénin. Mais normalement, qui va porter? Tu n'en portes pas aussi. Ces gens-là vont venir. Il faut mettre la valise en derrière pour la valise en main, c'est là-dedans. Voilà. Mado! On peut faire comme ça que la femme est là. Hé, Jacques. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis venu te voir, non? Toute ta famille à la dos, toi tu fais quoi ici? Je t'avais dit que je ne partais pas. Attends, mais pas parce que j'ai quelque chose contre Mitouma, mon frère, ou contre ma famille, mais tout simplement que je suis contre la polygamie. Je suis venu me rassurer si toi tu n'étais pas vraiment parti. Jacques, je t'avais dit que même mon cadavre ne peut pas aller là-bas. Je t'avais dit ça depuis. Là où je suis, j'attends qu'on vienne me tuer. Parce que ton frère en partant m'a dit que si je ne les retrouve pas là-bas, que je rentre chez nous. Sinon, il va me déchiqueter. Tu as bien fait. Est-ce que tu sais que la douleur ne va échouer comme tu n'es pas parti? On m'a dit qu'on ne peut pas avoir une deuxième femme en l'absence de la première. Ah bon? Oui. Ah. Si c'est ça, c'est bien, non? Il y a quoi? Mitouma, je ne vois pas Madou dans la salle. C'est comment? En fait, moi, je crois qu'elle doit encore être en route. En route comment? Les choses vont bientôt commencer et il faut automatiquement qu'elle soit là. Mais je ne comprends plus. Bon, elle t'avait l'appeler. C'est encore comment? Mais dis-moi. Ça ne passe pas. Voilà. C'est sûr qu'elle a éteint son téléphone. Et je parie qu'elle ne viendra pas. Je t'avais prévenu, Mitouma. Je t'ai parlé bien de cette affaire depuis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En tout cas, Agance, on va gérer ça. On va gérer comment? On va gérer la situation dedans. Même s'il s'agit de payer plus cher la dot là, on va gérer ça dedans. Attends. Tu crois que tout problème se résout avec l'argent? C'est un problème de coutume, Mitouma, c'est la tradition. C'est pas un problème d'argent. Pour toi, tu crois que tout s'achète avec l'argent?
Est-ce que c'est acheté? Il dit que ça ne peut pas nous dépasser. Allons dedans, on va résoudre ça. Tu crois que si c'était pas ça, c'est que Mitouma, il prend une deuxième femme, il te surprend seulement ici à la maison un jour, tu te découvres. Une autre femme venir habiter dans la maison pour laquelle j'ai souffert. C'est pas ici. L'unique solution pour Mitouma, c'est d'abord te chasser avant de prendre une deuxième femme. Rien ne peut me faire partir d'ici, hein, Jakas. Rien. Ici, là. Toi-même, tu verras. Rien. Je ne peux même pas bouger. Bah. D'ailleurs, moi, j'allais prendre un bain, là. Donc, tu entres, tu m'attends, le temps que je finisse. Non, 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 ça va. Tu venais seulement me rassurer si tu n'étais pas vraiment parti. Ah. Bon. La neuvaine est passée, non? On attend quoi maintenant pour ouvrir la porte du défunt? Ouais, menton, on va ouvrir. Hein. C'est quoi, tous les jours, on va ouvrir. Tu es pressé pour aller où? On va ouvrir quand? Vous tournez même quoi? Vous disiez qu'on ne peut pas le faire avant la neuvaine. Maintenant que la neuvaine est passée, on attend quoi pour ouvrir la porte? Ah bah, là, je vais rester dans cette maison. Mamie, ton, pourquoi, comment tu te comportes comme ça? Quand le mari meurt, il est responsable de la famille qui s'occupe de cette chambre-là. Et il ferme cette chambre-là. C'est lui qui reviendra encore ouvrir cette chambre-là. Quelles sont même ces cérémonies? Merde, là-bas, nous dit que... Il viendra, c'est quoi? On manigance c'est même quoi? Hein? Vous manigancez même quoi à la fin? Madame, manigancez quoi? Pour ouvrir la porte, là, il faut faire des cérémonies. C'est hein? Un responsable, quel responsable? Il est dans l'idée de cette famille. En tout cas, si c'est la porte là qui vous dépasse d'ouvrir, moi je peux aller le faire. Hein? Le faire. Allez, ouvrir. Allez, allez-y, allez-y. Hey, tu penses que je ne peux pas l'ouvrir? Oui. Et moi je peux l'ouvrir, c'est la porte de mon mari. Et je peux l'ouvrir, entrer là comme et je veux. Et tu attends quoi? Je t'attends. Tu attends quoi? Je t'attends. Non, tu sais parti mettre ta sorcellerie dedans, parce que ça ne peut pas m'attraper. Tu as compris? Si tu es parti mettre ta sorcellerie dedans. Quelle sorcellerie? Moi sorcière. Tu es sorcière. Moi sorcière. Oui, sorcière. Moi sorcière. Oui, tu es sorcière. Elle va arriver. Elle est en route. Elle va arriver quand? Il faut déjà qu'on commence déjà. Bon, c'est qu'on l'a laissé finaliser certaines petites choses là. S'il est déjà là, on peut commencer. Elle va nous retrouver. On ne peut pas commencer sans elle, mon fils. Parce que c'était la première femme. On ne peut rien faire sans elle. C'est que la tradition va nous arrêter. Et on ne peut pas sauter dessus. D'accord. Bon, on attend alors un peu. Elle va venir. Donc, allons plutôt dedans. Ok. On s'assoit, on attend. Non, non, on ne peut rien. On ne peut rien. Je crains la tradition. Excuse mon enfant. Hein? Que thank you.
sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours. Dans des comédies bien assaisonnées.